Sans grande surprise, Hervé Marseille devient le président du groupe centriste du Sénat. Seul et unique candidat, cet homme discret va remplacer le sénateur-maire de Laval, François Zocchetto, qui ne se représentait pas. À 63 ans, Hervé Marseille vient d'être réélu pour un second mandat dans les Hauts-de-Seine. Ancien responsable du Parti social-démocrate, il est maire de Meudon depuis 18 ans. Une mairie qu'il va devoir quitter avant le 2 octobre en raison de la loi sur le cumul des mandats. En 2007, il soutient Nicolas Sarkozy, ce qui lui vaut une suspension de l'UDF. Membre du Nouveau Centre, il prend position par la suite pour Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre en 2015. Actuellement vice-président du Sénat, Hervé Marseille espère faire entendre la voix des centristes au Palais du Luxembourg. À la tête d'une cinquantaine de sénateurs centristes, Hervé Marseille veut faire de son groupe un acteur incontournable du Sénat.